إمسفليدن تمسفليدين نصدرر نميديا الزول في اللون نسو في سوى نيتيكل تنظن أقلاغ نملا لد ميال دور ثلاوانجي لك دكتور نسيمة نيتي دي حمد يوكن أدن مسلاي غفة طنن إذا دي زين نقار يلتيكل تحزف يرى القضاء أشوار المند إمي مدقل نحزف دي تزورا نفكا الراحة إترويح تناغ نحضري تكني لاق الحال أون حواجرا إيم الجايين أساقي غاد نمسلي غفوفو راي بوزرام ناغ لو كانسير دو كولون إوي داك أوثن السينارا أتقي ممتي السينم يدناغ إل من ديمين أولاد واقير ديون وطن يكتوين أطاس ترويحين أساقي تن يدناغ دكتور نسيمة إوكنا داغ دمسلي غف الكانسير من الكولون ناغ أفورين وزر ما مكن دنيا مشا أقبل أدفدو أدم مسلاي سقسي غام زوارو أرس فكا غدا سيني غدي تزورا زولا نسيمة على سلامة Oui, Sonia, Aslama. Bonsoir à tout le monde. ان صوفي السم السقسي ومزوارو بغي مني غدي تزوار تنمرتم كراتي مي تخدم تدويل تاكي الساكي غي مولا نور الدين لاجاج تيرحم ربي لا تسلد بغي غادا زندم لا ضم كيسنن غير ميتسن D'accord, on va parler donc du coup le cancer du côlon aseguien. C'est ce qu'on appelle en kabyle le cancer il y a le gros intestin qu'on appelle le côlon, il est derrière l'intestin grêle. Mais aseguien, de l'heure qu'on a aujourd'hui, elle nous parle surtout avec le cancer du côlon. Donc le cancer du côlon, c'est le cancer gazoram. Le gros intestin. Donc le net, c'est, alors pour moi, c'est un sujet important sur lequel quand même on doit se baser un peu. Pourquoi? Parce que voilà, la mortalité n'est pas négligée, la mortalité elle est importante. À passe, ne l'arrivée avec ça, le cancer du côlon. Que ce soit de l'Algérie, que ce soit de l'Europe, en gros, par exemple en France, il est situé au quatrième rang des cancers les plus fréquents. Il y a que les cancers les plus fréquents, il y a que les français, bien, le cancer du côlon, il est situé au quatrième rang. Donc il est quand même fréquent. Il est au quatrième rang par rapport aux deux sexes. Mais, par exemple, la femme mouhdes et l'homme mouhdes, chez la femme, il est situé en deuxième position. Il est situé juste après le cancer du sein. Donc, chez la femme, le cancer anzuelo, le premier cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein. On bête, en deuxième position, c'est le cancer du côlon. C'est quand même important. Chez l'homme, il est situé à la troisième position, après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Donc, chez l'homme, c'est autre chose. Le cancer le plus fréquent chez l'homme, mais chez le côlon, c'est la prostate, en premier lieu, le cancer de la prostate. Il possède une raison. Une séance, c'est le cancer de la prostate. C'est le cancer du poumon qui est aussi très fréquent. On va dédier le cancer du côlon chez l'homme. Voilà. Les chiffres en Algérie, franchement, mais je sais que la mortalité des gays en France, en 2012 par exemple, il y a eu environ 20 000 décès. En 2012, ça veut dire que de la moyenne, on a entre 20 000 et 25 000 décès. Donc oui, je parle de la mortalité. Et en gros, le cancer du côlon guéouhédès, il constitue 12% de toutes les causes de mortalité. 12% quand même, c'est pas négligeable. Ils viennent d'où le cancer du côlon. Les facteurs de risque. Les facteurs qui peuvent mener à développer un cancer du côlon. Alors, des cancers du côlon, en gros, dans 15% des cas, alors je sais que peut-être il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'il est héréditaire et est-ce qu'il est génétique? La réponse, c'est que on peut dire que 15% des cancers du côlon qui sont héréditaires. En fait, il y a 15% des formes familiales. Il y a 15% des formes familiales.
ماشي تي تايجي pas dans toutes les formes. Je نعم ne veux pas dire que c'est un cancer du côlon obligatif, qui est obligatif, qui disent, sauf dans 15% des cas, les formes elles sont génétiques et héréditaires. Les choses, c'est les formes héréditaires. Et en fait, c'est des syndromes génétiques. C'est des syndromes génétiques exceptionnels. L'ensine, qui sont les plus fréquents, il est ce qu'on appelle syndrome de Lynch. Normalement, HNPCC, HNPCC, c'est quoi? C'est héréditaire non polyposis colorectal cancer. Syndrome d'HNPCC, syndrome de Lynch, c'est quoi? Il y a certaines familles, pas toutes les familles, bien sûr, il y a certaines familles, on peut trouver plusieurs cancers à la fois. Par exemple, un F le père qui a un cancer du côlon, un F la fille qui a un cancer de l'ovaire, la maman qui a un cancer du sein, le fils qui a un cancer, l'autre fille, l'autre sœur qui a un cancer de l'endomètre, etc. Les familles ne se franchissent pas sur les cancers. En Algérie, on ne fait pas attention à ce genre de choses, alors que normalement, le jour de famille Guil Khadraben, ce qu'on appelle des consultations oncogénétiques. Quand on trouve plusieurs cancers dans une même famille, il faut se poser la question. Pourquoi la famille a pas les cas de cancer, il y en a des cancers différents, mais peut-être qu'il y a une composante génétique. Donc normalement, il faut faire une consultation oncogénétique. Est-ce qu'il y a des gènes, la famille Guy, est-ce que ça a des gènes spécifiques et les cancers, que ce soit les syndromes de Lynch, les autres syndromes. Donc le syndrome de Lynch Guy, ils me le disent que le cancer du côlon, il y a une étiquette héréditaire et c'est la forme génétique la plus fréquente des cancers du côlon, bien sûr des formes génétiques. La polypose adénomatose familiale. La paphégie d'Aran, c'est une maladie génétique, héréditaire, qui est très rare. Elle n'est pas aussi fréquente. Même le syndrome de Lynch n'est pas très fréquent, mais bon, c'est quand même, il est situé en première cause héréditaire, génétique des cancers du côlon. C'est la PAF, c'est la polypose adénomatose familiale. Les familles qui ont la paphégie, ça a un gène. Quand il est muté, bon, c'est juste entre parenthèses, c'est un détail, c'est le gène APC. Quand il est muté, il sait que de la polypose adénomatose familiale, il sait que ça passe des polypes. Il se trouve des milliers de polypes, ce qu'on appelle des adénomes au niveau du côlon, au niveau du rectum. Donc, c'est des formes familiales, c'est des formes génétiques. Le cancer, il peut être héréditaire. D'accord. Mais les formes génétiques aiguës, elles constituent uniquement 15% de l'ensemble des facteurs de risque de développer un cancer du côlon. Dès les 85% et des formes qui restent, l'origine, elle est sporadique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cancer du côlon, il se met à d'autres étiologies, il se met à d'autres causes. Alors, j'ai les formes familiales qui ont le cancer du côlon. L'un des facteurs nerveux exemplaires est le cancer du côlon. C'est quoi ces facteurs-là? Alors, la première des choses, d'abord, il y a le terrain. Quand le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'âge. Ce qu'on doit savoir, c'est que ce soit l'homme ou la femme, une personne qui est âgée de plus de 50 ans, d'accord? Déjà, c'est un facteur de risque de développer un cancer du côlon. Et l'âge, déjà, l'âge supérieur à 50 ans, c'est un facteur de risque. Et Mstouhn aussi, c'est un risque. Mais l'âge comme facteur individuel, nous fait dire que ceux qui sont âgés de plus de 50 ans, ils ont plus de risques de développer un cancer du côlon que les jeunes. دايمي وقبلنا راه لي ميديسان ما قالوا ولا راه ميه نغان دونجي ايوا كنا تخدمن اون كولونوسكوبي وقبل 40 طون تاكيد السبه خاطر نوتني غير غورتن حاشا وي دي قعدان 50 سنه اكزمرن ازعون واكينيا اطاناكيا exactement, mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas développer un cancer du côlon. On peut trouver un cancer du côlon à 40 ans, on peut le trouver à 45 ans, on peut le trouver à 48 ans,
Mais les statistiques n'impliquent les sujets qui sont âgés de plus de 50 ans, ils ont plus de risques. Là, il y a un point très important à signaler des choses. Non. C'est le dépistage. C'est le dépistage. Ça veut dire quoi le dépistage? C'est-à-dire un chiaranzar, mais là, la personne il dépasse 50 ans, ça a un cancer du côlon ou pas. Le dépistage, c'est-à-dire comment on peut découvrir le cancer du côlon à un stade précoce, ou Précoce. qu'il y aura une vraie maladie, ou qu'il le concernant à dire. La présentation avec le cancer du sein, le dépistage du cancer du sein. Le dépistage du cancer du sein, c'est quoi? C'est les femmes qui dépassent 50 ans jusqu'à 74 ans, les femmes aiguës, elles doivent se faire dépister. Mais j'ai remis le dépistage des femmes aiguës, il a quand même une mammographie toutes les 2 ans. Toutes les 2 ans, il a quand même une mammographie. Le médecin, mais il a la famille, c'est aller les hommes là. Et puis c'est un dépistage obligatoire. Toute femme qui dépasse 50 ans, il a le dépistage. Dès le cancer du côlon, il a raté le dépistage. On peut dépister un cancer du côlon. Comment on fait? Alors, en France, il fait partie du programme de dépistage organisé national, c'est-à-dire. Non seulement qu'il est obligatoire, et en plus, c'est l'État qui prend en charge le dépistage aiguë. Comment on le fait? Alors, les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, soit un homme, soit une femme, il a qu'à ramener le test de dépistage. C'est quoi le test de dépistage? C'est ce qu'on appelle l'hémoculte. L'hémoculte aiguë, c'est quoi? C'est la recherche du sang occulte dans les selles. Il y en a des loussards. Et ensuite, donc, une fois que c'est fait, les laboratoires ont fait une analyse, c'est un test immunologique. On utilise des produits spéciaux. Est-ce qu'il a le sang et les selles là? Si le test, mais là, il faut le test positif, là, il faut faire une colonoscopie. Colonoscopie, c'est un examen radiologique. C'est un examen normalement qui doit se faire sous anesthésie. C'est pas un geste qui est c'est un geste qui est quand même un peu lourd. Après un régime sans résidus, après un lavage colorectal, etc. L'examen c'est le gastrologue et le en général. Ils mettent un drain au niveau de l'anus, on bat le drain, il va monter dans tout le côlon, avec une caméra, on voit tout ce qui se passe au niveau du côlon. On bat quand on trouve des lésions, quand on trouve quelque chose qui n'est pas normal du côlon, on fait ce qu'on appelle des biopsies. Biopsies, c'est-à-dire on fait des prélèvements. On kisse quelques fragments, après les fragments, on les envoie au laboratoire d'anapath pour faire une analyse. On va le laboratoire d'anapath qui va nous dire est-ce qu'il s'agit d'un cancer du côlon ou il s'agit d'autre chose. Donc, malheureusement, il existerait des Zaïres. Donc, pour celui où on y va, pour celui qui fait attention à sa santé, qui veut faire attention à sa santé, pour celle ou celui qui a dépassé 50 ans, doit se faire dépister. Autrement, le médecin a demandé le test aiguë d'hémoculte. Je ne sais même pas déjà si ça se fait là, franchement. Mais en tout cas, il faut le faire. Oui, Belek Meg Leit nous a le kit de les pharmacies, avec une dégainée d'Américaine, New York, notre monde de Gran. Zmeren, on a le kit de les pharmacies, Zmeren, Nathawin Sacham. أخذ من دينا تبدأ تمسلي تغفى ميك إيدي بدون نسيمة ما تبغي ضد نغال الردين تنرد لو تيغان إلا التيغان ده مزوارو في السنة exactement اهي alors le terrain il y a une c'est l'âge ensuite l'état d'arrêt il a un facteur très important c'est l'alimentation c'est ce qu'on mange bien sûr voilà. c'est le régime alimentaire là mais quel régime? Déjà, les régimes, par la suite des années après, bien sûr, un cancer du côlon. C'est les repas copieux. Ça veut dire quoi les repas copieux? C'est les repas nés qui sont riches en viande rouge,
charcuterie et les régimes qui sont pauvres en fibres. نعم اذا شو اشو غريه فرق مدان نسعونت ويا ضاله ديوت نتواشو ستن كيف كيف سبوين جميع ستن دقيق تضبسيت يوني ساعه الكونسير واي ضاله ام كاد تفهم بنش Oui, tout simplement, en fait, les facteurs de risque à passer, Guylaine, mais c'est de l'alimentation. L'alimentation, c'est vrai que Ounis n'a pas les repas copieux, riches en viande rouge, etc. Il a plus de risques pour Alwi et Alwi qui mangent plus sain. Mais en fait, la génétique, le système immunitaire, les êtres humains, n'est pas la même. Même il mange beaucoup de viande, même il mange des repas très copieux, etc. Mais en fait, ça a un risque parce que le système immunitaire, c'est le cancéreuse du corps, tellement le système immunitaire, donc il arrive à éradiquer les cellules cancéreuses par rapport aux autres, par rapport à l'arrivée de neurones qui ont un système immunitaire plus faible. تين قطع دي خطا اللي نكرا قمدان نحمل لنا الطاسة طاسة كسوم لو كانو ستنا راكسوم وزراش سنتين ياغن كل سقارغ دي كسوم دي ريت وغينا دي يمنان لا فياند روج دي ريت اتفكنا تين مير exactement ensuite il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a aussi le surpoids. Les personnes en salle surpoids, les personnes obèses, là aussi la sédentarité, surtout les femmes, voilà, les femmes en train de faire le sport, ou le haratas, etc. Les femmes aiguillées, même les hommes qui sont en surpoids. Mais glaïe, où n'y a de m'aider, il gagne de gosse. Il est tout simplement, où il y a de la sédentarité, voilà. Ça dépend, je crois, de la nuit. Ça dépend. Est-ce qu'il bouge ou il bouge pas? Mais là, par exemple, les chauffeurs à qui sont tout le temps en position assise, par exemple. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs de camions, etc., qui travaillent la nuit, la journée, ils dorment. Ils font pas de sport. Pour aller à des... Donc, tout dépend. Effectivement. Donc voilà, le conseil numéro 1, faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas trop de viande rouge. Il vaut mieux manger la viande blanche que la viande rouge. Pourquoi? Bon, c'est vrai que la viande rouge, elle est nécessaire, mais en petite quantité. Pourquoi elle est nécessaire? Parce qu'il y a certaines protéines que le corps ne produit pas. Il ne suffit uniquement de la viande. Bon. Mais en petite quantité, mais s'il y a eu de choisir entre la viande rouge et la viande blanche, moi je préfère la viande blanche. Voilà, c'est plus sain que Guinness. Ensuite, les personnes aussi, c'est ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques intestinales. C'est les MIKI, les RCH, la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, c'est des maladies de système qui touchent le côlon. Mais le nerf de l'œil va pas s'exprimer. Les maladies, c'est des maladies chroniques qui touchent l'intestin. Après 10 ans, après 20 ans d'évolution, elle développe le cancer du côlon. Les maladies, c'est des maladies inflammatoires, c'est des maladies du système. Parce que c'est des maladies qui touchent l'intestin. C'est des maladies un peu auto-immunitaires. C'est comme si le système immunitaire, ils attaquent les cellules nucléaires au niveau du côlon et ça provoque des réactions inflammatoires chroniques. Voilà. Après, il y a aussi, des antécédents. Parce que l'arrivée d'Ixaron, ce qu'on appelle un polype, un adénome, dans les antécédents, des adénomes qui dépassent 1 cm de diamètre,
à contingence vileuse ou bien un antécédent familial, par exemple, au Déchissane, dès la famine, c'est justement un cancer du côlon, et surtout un antécédent du premier degré. Ça veut dire quoi, un antécédent du premier degré? Ça veut dire un parent du premier degré, c'est-à-dire soit le Justement. père ou la mère. دايما دايما دنيا خاطر الكرجزي وات يرحم ربي يموت في الكانسر دو كولون رحمة ربي. يما الست يرحم ربي تموت داغن مزيت 42 سكوسن في الكانسر دو كولون جديس يموت جديس باباس قماسه انت يرحم ربي ولاد نتا يموت في الكانسر دو كولون واي تاكيتي واي ثورا نكوكاد غفراوي خاص ولا ما ناني يدي لا قاس نتخدم هذا التيست خدم غاس نديبيستاج ولا شاش دوفان معنا مازال تاع سارتن وغال فيغان ني غاسات تنير معنا فغي غاد نوكد تنقي طاقي باللي كاباناكي يتكد سي ثواشوت Et Izmer, effectivement, dit que c'est soit je ne parle dans tous les cas, pas à 100%, mais Izmer, c'est-à-dire que voilà, Melkayegi, quand on a un antécédent familial d'un cancer du côlon, le risque de développer un cancer du côlon est augmenté. Donc, normalement, ce qu'il faut faire Melkayegi, c'est le dépistage, parce que le dépistage, il commence à partir de 50 ans. Et puis, les enfants, ils Même n'ont pas des tests génétiques à 17 ans. Voilà. Exactement. Il faut faire un test génétique et la recherche de ce qu'on appelle le MSI, la recherche de l'instabilité des microsatellites. Voilà, avec une prise du sang, Adouadine, est-ce que le voilà, est-ce qu'il y a une composante génétique Nirala. Voilà. Ensuite, voilà, donc le guéri, c'est des facteurs de risque juste que chacun y a un fum, un zor, un CD. C'est que le cancer du côlon est نهار الكونسير كزر ميتنو انا شطوحة في لا كلينيك يمكن نبغى ام تورد نوغا انزور مش الانديفيدو يسمر دي زار ما بلي كي ساعه ان كونسير دو كولون او با ام سيتادير دا شوفن لي سيني كلينيك كي فون لو بوسي ا كونسولتي لان دو بوين تري امبورطون لا بروميير دي ليريكتوراجي دوزيام دي لي تروبل دو ترانزيت Alors, l'érectorragie, c'est quoi? L'érectorragie, c'est les saignements. Et Xmeredef, l'individu, c'est les selles. Quand quelqu'un va avoir la selle, dès le moment où il a la selle, Xmeredef, il est même. Ça dit quoi? Le tafn dit de même, mais nous, on dit tafn, le cancer. Tafn de l'hadj, par exemple, mais il y a la constipation, non, t'as gardé un tabot, on va dire des chirurgues, ad soubni de menad donadin, atas, il s'y a un mensaï de menchlan, rinnes de cancer, maraud de nartovi, de tafn machidouin. Exactement. D'ailleurs, le diagnostic différentiel m'zouelou de chute, c'est les hémorroïdes. Arthur Winissan, d'ailleurs, les hémorroïdes également, parce que aussi, il y a beaucoup d'individus qui ont des hémorroïdes, que ce soit des hémorroïdes internes, et les hémorroïdes externes, c'est le poissarisme. Ben, je vais vous proposer de faire une séance sur le sujet. Nous le jouons, les faits. Voilà, donc oui, les hémorroïdes, effectivement, ils peuvent avoir du sang dans les selles. Et d'ailleurs, les hémorroïdes, je ne sais pas si ce soit pas, c'est la constipation. Les hémorroïdes, surtout des constipations chroniques. Selon les hémorroïdes et ensuite selon le sang des lessens. Donc ça ne veut pas dire on est sain à chaque fois le sang des lessens, ça veut dire c'est un cancer, c'est pas comme ça. Mais le message c'est quoi? Le message c'est que when you find le sang dans ses selles, il faut qu'il consulte quand même. Il faut qu'il consulte. Il a qu'à dire à prive. Il n'a pas respecté l'arnaud, si c'est rien, je sais que j'ai des hémorroïdes, ça va passer, c'est rien du tout. Il faut quand même qu'il consulte. Mais il a les hémorroïdes, il doit traiter ses hémorroïdes. Mais il est dans une neurone. Il faut faire, devant des rectorragies, il faut faire normalement une rectocolonoscopie. Devant tout saignement des aisselles, il a une rectocolonoscopie. Il a une radio pour voir tout ce qui se passe au niveau du rectum et tout ce qui se passe au niveau du côlon. Mais ce qu'il y a, pour ne pas passer à côté d'un cancer. Il n'y est. Et si on a le syndrome du côlon irrité, est-ce qu'il y aura du cancer du côlon? Ça dépend de ce qu'il y a un syndrome du côlon irrité. Irritable bowel syndrome. Est-ce que c'est la constipation qui fonctionne?
نعم نعم إيريتابل باول سيندروم اي بي اس اسمي سجليزيت لان طاس مدنيكس عنايا جيني عاشني سطاسي سكواسن ما جليز مري بوس ادي النقلاب هذه يغال ذا الكونسير فيك ولا تزل تاع بوطن سن فيك ولا تقار فيك ولا ولا شماك فيك ولا سعنا لي كرومب ذا قراحي ذا من الناس كامل ماجلا يجيز مرضي بدل ادي يغال كونسير دو كولون Théoriquement, j'ai envie de dire non, mais tout est possible. C'est possible. Avec le temps, même les maladies inflammatoires chroniques intestinales, c'est exactement la même chose. Après les 10 ans, il n'y a rien, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancérisation, mais 10 ans, on aura jusqu'à 20 ans d'évolution, la cancérisation est possible. Donc tout est possible. Voilà, donc le message c'est quoi de l'oral? When you find even the saliness, il ne faut pas négliger. Vous partez chez le médecin, vous consultez, à rapport normalement devant tout saignement des selles, devant toute rectoragie, enfin le mot scientifique, les rectoragies, il faut, devant toute rectoragie, il faut pratiquer une rectocolonoscopie. Il a quand même la radio. Colon, ben, tout ce qui se passe au niveau du colon. Si on trouve un polype, ce qu'on appelle un adénome, peut-être le polype qui a saigné tout simplement, mais il a nous fait une tumeur, une biopsie, mais il a nous fait, d'autres choses, ben on le saura. L'essentiel, c'est qu'il faut, voir un médecin. Le deuxième signe, c'est quoi? C'est les troubles du transit. On passe les diarrhées, on passe les constipations, c'est surtout l'alternance. Avril de diarrhée, avril de constipation. Avril de diarrhée, avril de constipation. C'est surtout l'alternance entre la diarrhée et la constipation qui doit, c'est la personne à consulter. Le choix des guides, c'est vrai qu'on a tendance à négliger ou que les symptômes des guides, mais normalement, on ne les néglige pas. C'est un transit intestinal qui n'est pas normal, il doit consulter. Il veut être prévenu, c'est d'ailleurs le médecin traitant, il veut dire pourquoi il a ces problèmes. C'est très facile de donner un traitement pour la constipation, c'est très facile de donner un traitement pour la diarrhée, oui. Mais il faut qu'on cherche pourquoi. Parce qu'il y a des traitements qui ne marchent pas. Mais il est toléré ou ne y est lié que chaque jour les troubles qui sont intestinaux, بعد ما يروح طبيب وسقرات خدمة colonoscopie قرص normal c'est lié au diabète. On بعد تفضيس على cancer stage 4 et tout ça terminal stade final ou les je chadre قاعد. Aïe, rare les médecins ne prennent pas les choses au sérieux. Doué guiné et d'ouvrir machine les médecins les assurances et d'arvel. Et il y a l'antilipolypse, ou la tiguinée, c'est même pas de rentrer dans le cancer. Effectivement, alors le polypéguin, c'est un sujet qui est très, très intéressant. À part les personnes qui sont les adénomes, ce qu'on appelle les polypes, aux alanères, est-ce que le cancer, non, mais c'est le cancer, et qu'est-ce qu'on doit faire devant un polype? Atkima, quelle est la clinique du cancer du côlon? Les polypes tout à l'heure. Alors, donc, la clinique du cancer du côlon, en plus donc, des saignements dans les rectoragies, il y a de l'alternance de diarrhée constipation dans les troubles de transit intestinal. Il y a aussi les douleurs, mais ça n'a pas les douleurs au niveau du ventre. Il y a aussi un signe très important, c'est l'anémie. Vous avez souvent l'anémie. Attends, c'est snar, c'est un anémie. Il traite l'anémie seul, c'est le traitement avec un traitement avec un traitement oral, c'est-à-dire les comprimés. Ça permet de lécher tout l'hémoglobine seul, un des nindaïens, il y a l'anémie. Bon, on va être très bien qu'on lécher tout son traitement, on va être l'anémie d'oral. Après, des fois il traite, des fois il traite pas, et la majorité des gens négligent. Il ne sait rien, c'est une anémie, sort de voile, radaïna, tchalo, c'est tout. Ben non. Quand on a une anémie, surtout je parle d'une anémie ferriprive, c'est-à-dire une anémie par carence en fer. Les anémies, il y a l'anémie, ça a l'anémie, pour un dème. Quoi, c'est les types de l'anémie, il y a l'anémie qui est l'anémie qu'on trouve des cancers du côlon des choutes, c'est l'anémie ferriprive, c'est-à-dire l'anémie par carence en fer. Oui, de hissane et de coronsen, un manque du fer. Il y a des gens qui sont consultés parce qu'ils ont l'anémie
Il suffit pas qu'un traitement de l'anémie, le fer, en comprimé, en sirop, quel que soit le médicament, c'est bon, je vous ai traité. Ça se passe pas, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le malade né, ça a l'anémie, il a à venir dire pourquoi le patient aigu, ça a l'anémie. On est ça a l'anémie ferritrive, il faut qu'il cherche. À chaque fois, ça a l'anémie. Quoi? Parce que il a un saignement intérieur, il a un saignement du côlon, c'est-à-dire le côlon qui est dans le jarah, mais il fait qu'il c'est-à-dire qu'il perd du sang au niveau de son côlon, mais il fait qu'il c'est l'élément c'est quoi? C'est l'anémie. Mais il y a l'hémoglobine. Des choses qui sont des signes de l'anémie, c'est surtout la fatigue. On a tous la fatigue tout le temps. Oui, par exemple, ils ont un souffle, ils ont une tachycardie, mais les escaliers, qui se sentent rapidement fatigués. Ah oui, ils ont une pâleur. C'est des signes d'anémie. Oui, ceux qui perdent beaucoup de cheveux, ils ont les ongles cassés tout le temps. Oui, il a qu'à consulter, il a qu'à faire une prise du sang, il a qu'à faire l'anémie. C'est-à-dire, mais l'hémoglobine est saine ou de soubère, ou la normale. Quand il y a l'anémie, il a qu'à admirer pourquoi. On fait une gastroscopie d'abord, c'est-à-dire on fait une fibroscopie et l'estomac, et on fait aussi une coloscopie. Est-ce que le colon est déjà en dehors au niveau de l'estomac. Voilà. Voilà, donc j'essaie juste de faire passer des messages à Kegel Aïvel, parce qu'il y a dorénavant. Et où tu négliges les symptômes et les symptômes. Il néglige. À passer ce n'est que le sang, les selles, etc. Mais personne ne consulte. Tout le monde s'en fout. On va dans le nerf. Une fois que la maladie elle progresse, attend au stade 4, on va des manies, sont obligés de consulter, d'être hospitalisés. On va des problèmes. Oui, là, tu as mis mes nerfs, tu as mis mes mais c'est une chose qui est très importante. نمسلي داف لي سيمبتوم ما مازال نمسلي دم كي دي فيدو ذا شو ثن لي سيمبتوم من ند لاني دمن ثلا ذا شو غلان داغ Alors, on a des amènes des selles, effectivement. Le trouble du transit intestinal, c'est-à-dire c'est quoi des diarrhées, c'est quoi des constipations, c'est quoi l'alternance des deux. Les douleurs abdominales, c'est-à-dire les douleurs au niveau du ventre. Là aussi l'anémie. Cancer du côlon, il faut mettre l'anémie. L'anémie, on la diagnostique bien sûr avec une simple prise du sang, avec une NFS. L'aine également les personnes, ceux qui perdent du poids, la perte du poids, l'amaigrissement, l'anorexie ou les gens qui perdent de l'appétit, les gens qui sont très fatigués. Les symptômes. Voilà, qui doivent pousser les gens à consulter. Merci, Nam. Isqsin Arthura, Daegi Kaniglan, ou Yav, Athan Tkarnak, ou Dachotan les symptômes. Isqsin Nedan Yanan H. pylori, Gainan l'estomac, ou Dekas Nakhdem, Tadwilt ou Hessen. Hata le cancer d'estomac ou Hedes, le cancer du colon ou Hedes. Et دايمين ما نهضر في لوسير ناد نهضر غفاين نظن اش نخدم تدويلتي كلتي دي تدون امل صالحي تناد peut-on avoir un cancer du côlon et être asymptomatique مي غلان زمر نسعو الكونسير بلا ما نعم ونتعا لي سيمبتوم Est-ce qu'on peut être asymptomatique? Moi, je dirais, mais les stades précoces, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pousse les gens et qu'on encourage les gens à se faire dépister. Par exemple, on a dit sur un cancer du côlon à un stade précoce. Donc, les choses c'est le dépistage. À partir de 50 ans, normalement, le dépistage, il est obligatoire.
Bon, en Algérie, il ne fait pas partie du programme national de dépistage. De toute façon, en Algérie, il n'y a aucun programme de dépistage. Bon, les dépistages qui sont individuels. Mais normalement, on est à 50 ans, il doit le faire. De 50 ans jusqu'à 74 ans, le dépistage il devient obligatoire normalement. Le test c'est les mots cultes. C'est la recherche du sang occulte dans les selles. Il fait ce test-là chaque 2 ans. Tous les 2 ans, avec le test aiguillon. Si le test aiguillon occulte est phrase positif, à ce moment-là, il devrait faire une rectocolonoscopie. ثاني هي سمارة دوضن إي سوال النظام كمنج أدكمل الشو إي تسعيد Très bien. Alors, في les types histologiques, le cancer du côlon يكيخطر ماشي دي ولكن يقلل il est le type histologique le plus fréquent du cancer du côlon, c'est quoi? C'est l'adénocarcinome. D'accord? En général, c'est l'adénocarcinome liberkounien. Okay, c'est le type le plus fréquent. On peut l'un des types neurones qui peuvent exister, mais ils sont moins fréquents. Des choses, c'est le type aiguille. Il est ce qu'on appelle le carcinome épidermoïde, le lymphoïde, le téléforme sarcomatoïde. C'est des types qui sont plus rares. Donc, on connaît en général, on s'intéresse à le cas le plus fréquent qui est l'adénocarcinome. Ensuite, une fois qu'on a diagnostiqué le cancer du côlon, on a fait la coloscopie, on a fait la biopsie, on a fait le prélèvement, c'est la masse nain, c'est le laboratoire, on a la certitude que c'est un cancer. Donc, il a passé l'individu de il a passé un suivi dans un service d'oncologie avec le médecin Nénès. Il a un scanner TAP, c'est-à-dire un scanner thoraco-abdominopelvien. Pourquoi on fait ça? C'est pour chercher les métastases. Une fois qu'on a diagnostiqué le cancer du côlon, c'est un cancer, c'est bon, il a un scanner complet. Mais il a le Nénès, il a un scanner. On doit faire ça, en fait pourquoi on fait ça, c'est pour savoir comment traiter le patient. Enzar, c'est quoi le traitement? Est-ce que maintenant opérer le patient est guéri? Est-ce que la chimiothérapie? Qu'est-ce qu'on fait? Donc une fois on a fait le scanner TAP, on a fait une prise du sang, voilà, avec les marqueurs tumoraux et tout ça. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce que la tumeur est localisée? Elle est métastatique. C'est-à-dire, est-ce que le est au niveau du côlon? Il touche les organes neurones. Tout en sachant que le cancer du côlon, le premier organe qui est touché après le côlon, c'est quoi? C'est le foie. Ça. Donc, voilà. Le premier organe. Que le cancer aiguille va toucher, mais il est métastase le foie. Effectivement, il y a le foie. Il est touché aussi le poumon, il est touché aussi fréquemment aussi le péritoine. Le péritoine aiguille des chutes, c'est l'enveloppe séreuse qui couvre les organes au niveau du ventre. C'est le tabulier, il est épiploïque. C'est le tablier graisseux qui couvre les organes qu'on a au niveau du ventre. Nakaras, le péritoine. Le péritoine, quand il est touché par la maladie, on appelle ça une carcinose péritoniale. Donc le léchégène cancer du côlon, il touche le foie en primo, il touche le péritoine, donc il donne des carcinoses péritoniales, comme il touche aussi les poumons, ismer a touché aussi l'os, mais c'est plus rare. Ismer aussi a dit avoir jusqu'au cerveau. C'est-à-dire, ismer même a dit que des métastases dès le mort. Voilà. Donc, c'est une maladie qui peut être généralisée. Donc, nous connaissons de l'oral le scanner NINA pour stadifier le cancer. Est-ce qu'on est au stade 1, au stade 2, au stade 3, au stade 4?
Bon, les stades 1 et 2, en général, on peut opérer. Quand on confie le patient, il va opérer. Le chirurgien va opérer, c'est-à-dire il se dit, qu'est-ce que la tumeur nerveuse? نعم Et quand il fait, quand le chirurgien opère la tumeur, donc il enlève la tumeur, ensuite, enfin, le chirurgien, il faut qu'il a une partie du côlon, on dit que c'est le كل côlon شيء complet. C'est-à-dire tout dépend un des صباح la tumeur nerveuse. Soit le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche, ce qu'on appelle le côlon sigmoïde. Le chirurgien a dit que la technique chirurgicale, c'est-à-dire que la tumeur en fonction de la localisation, de la situation, la tumeur n'est pas là. D'accord? C'est-à-dire a dit que c'est la partie du côlon, par exemple, mais là, la tumeur elle est au niveau du côlon droit. Une colectomie droite. Donc, elle dit que c'est la partie du côlon droit, ou bien d'après, soit des rhumino-anastomoses, des fois, dans certaines situations, le chirurgien il est obligé de pratiquer ce qu'on appelle une stomie. Parce que les malades ils Voilà, la prennent colostomie. de colon, voilà, c'est une stomie. C'est les poches nées des sphrons, voilà. Ils prennent une poche, mais chaque nez, les selles des sphrons, c'est la poche née. Bon, en général, c'est quand il y a des signes d'occlusion, enfin, c'est quand il y a des complications. C'est-à-dire, mais c'est pas dans toutes les chirurgies du côlon, il y a une sérolastomie. À part dans des petits stades comme ça localisés, le chirurgien, il peut opérer la tumeur liée, l'anastomose, sous le chevauchement des veines, par la cicatrice. Mais quand la tumeur est. La tumeur n'est. Elle est localement avancée, elle est voilà, difficile. C'est Enfin, il y a un certaines situations où le chirurgien il est obligé, non seulement avec la tumeur nerveuse, mais il est obligé de pratiquer ce qu'on appelle une colostomie. C'est-à-dire un bout le bout d'intestin et des rumen est collé à la paroi abdominale, à la peau. On va dire, voilà, il fait ce qu'on appelle une stomie. Chacune les selles. Elle se fait après par voie naturelle, mais elle se frotte dans la poche. نعم سمي Voilà. سينم استقصي قبل تكمل ما قلنا يلا يون ذا موضين يا كان وسعر الكونسير يزكى ذا موضين سي 98 1998 يسعى الديابيت كل 3 شهور ناكل 3 وقور نهار طبيب يخدم بيلون كومبلي اناليز يير كولير وزدو فينا راه الكونسير ام بعد اسنفرا يغلي 20 سنة من بعد هذا سنين لهلاك يجي يبدا كيد اطاسايا اميك لي زاناليز ود تبقي النارا بليك الا الكولون كولون كانسر اجي ناك كانسر دو كولون Mahsouf, ils ont découvert directement un cancer qui est déjà avancé, c'est ça? alors que امذانا جيني كل 3 شهور يسعى رونديفو طبيب يتروحو يخدم لي زاناليز ناس يخدم كلش ورجيني سينا الطبيب تسعيد الكونسير دو كولون ما راسيني سعيغ اعبوضي ويشوف سعيغ دي دولور ابدومينال سعيغ كونستيباسيون يقراس نورمال اخطر سكان الضطاس تسعيد ديابيت Eh bien, parce que tout normalement simplement, devenu les examens de l'Ocrensine, je approfondi. suis sûre que les bons examens à temps, ils auraient découvert la tumeur à temps. Ça aurait notre explication. Donc قدام من ما راح من لي زاناليز الديابيت وين النظام ودي تفنر الكونسير ديكسن ما تروح تروح الكيمياء اضرب غير الطبيب تخدم مع لي زاناليز اسكو يزمر ادفوندي لي زاناليز نير بلي كسعر الكونسير نوالا Le cancer du côlon, on du est d'accord. colon, colon. C'est ça la Oui, question, oui, d'accord. oui. Alors, le signe biologique du cancer du côlon, c'est l'anémie. L'anémie ferriprive exmer de veine de la prise du sang. Par la prise du sang, en général, les gens nous demandent des bilans standards. On demande une NFS, c'est-à-dire la numération formule sanguine. On demande un bilan rénal, un flairin. On demande un bilan hépatique, à le foie, on demande une calcémie, une albuminémie, une magnésémie, et une névrose. Mais, ça dépend. Mais il y a
كن كان دي بدو الهلاك الانديفيدو يزمر دي سعو ان انيمي في ريبريف الانيمي زمر تبان ديجا افيك ان بيلون ستوندار ديموغلوبين ما تصوب تصوب ليموغلوبين ما تصوب ا موان دو 10 نغا موان نغا موان 11 نغا سي اون انيمي En général, on connaît les adhérents, on néglige. Ça, c'est la vérité. On connaît, on néglige. On ne sait rien, on ne sait pas de quel c'est pas grave. Mais au fait, mais il y a trois mois après, la personne est à une prise du sang. Nous, elle a l'hémoglobine néant. Ça ne sait plus que, par exemple, mais là, on avait 10 la première fois. Quand on a refait trois mois après, ça ne sait plus, nous fait de l'hémoglobine à 9, 8, et on doit se poser la question. On a un bilan d'anémie. Le bilan d'anémie, il ne fait pas partie du bilan standard. C'est le médecin qui devrait demander le bilan d'anémie. Déjà, c'est le bilan d'anémie. C'est un bilan spécial et l'anémie. C'est-à-dire de demander ce qu'on appelle la ferritinémie, ce qu'on appelle le fer sérique, etc. Le médecin a demandé, est-ce que c'est une anémie ferriprive? Et le médecin a fait que c'est une anémie ferriprive, et ce n'est pas inflammatoire, il a assez demandé une coloscopie. Ok. وقيمن دا عنا حين اللي سين ديجستيف ني وين يساعن ولا يشوفو طول طون بوريس يسعو طول طون دي كونستيباسيون ومن بعد فيك ولا يسعو من دياري ومن بعد دا عنا ديور على لا كونستيباسيون اكسيتيرا دونك سي لا فيريتي سور لو بلان سور لو بلان براتيك دي لا براتيك ان تو لي جور هذا حنا كل لي ميدسان دو فيل نا سي فوالا دانسير دي كاز نا سي جو سوي طول طون كونستيبي نا ومن بعد سي كوا ils se font tous traiter par des traitements symptomatiques. En fait, les gens négligent. Par contre, on donne des traitements symptomatiques, ok, on est guéri, on n'en parle plus. Oui. Mais au fait, non, il faut chercher pourquoi. Pourquoi la personne est à l'anémie? Pourquoi la personne est à tout le temps des constipations? Pourquoi il se roule les diarrhées, etc. Il faut qu'on cherche. Il a quand même les radios, il a quand même les rectocoloscopies. En fait, c'est des gestes où le cheval est normalement. Il a patient il est hospitalisé. Le cheval est guéri. Mais il y a encore une fois, il y a les coloscopies, même les fibroscopies gastriques, etc. Mais il y a sans anesthésie. Ça, c'est pas facile. Il faut comprendre, les malades. Mais en tout cas, le cheval est guéri, c'est au médecin de faire les bons examens et de faire le bon diagnostic. نعم تنمثلنا ومن بعد مراي اللي يصوض الكونسير غير ستاج 4 ستاج 4 نا ستاج 4 فينا وزميرنا راه تخدم من لوبيراسيون شحال تيكلت لي ميدسا ما واليني موض انا كن اثن الليل اثن خدم كان كولوستومي العود انا اثن غلقن خطر قرن داين سي ترو تار وزميرنا راه دكسن لا تيمور ني اش غار على حسابي Bon, dans les stades localisés, le chirurgien, il opère après l'opération, toujours la pièce opératoire, bien sûr, on l'envoie au laboratoire d'anapath, après les analyses et tout ça, nous allons s'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque ou pas d'arnée histologique, est-ce que la personne est prête à la chimiothérapie par la suite ou pas. À partir du stade 3, la chimiothérapie, elle est obligatoire après la chirurgie. Dès les stades 2, tout dépend des facteurs de risque, mais dès les stades 4, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a maladie à progresser, mais elle nous fait que il a au niveau du foie, il a au niveau du péritoine, il est dans les nerfs, tout dépend. Mais là, par exemple, nous fait une seule métastase au niveau du foie. C'est ça, le foie, c'était ça, on capille. Mais elle nous fait une seule métastase au niveau du foie. Et la tumeur, elle est au niveau du côlon, le chirurgien, il m'a dit, je peux opérer. Ils méritent d'opérer la tumeur nerveuse qui existe au niveau du côlon ou d'opérer cliniquement au niveau du foie à la fois. Narizmalardine, je préfère commencer d'abord par une chimiothérapie. C'est-à-dire on peut traiter VEL par une chimiothérapie. Ensuite, le chirurgien avait opéré la tumeur nerveuse au niveau du côlon. Yoctinecniglan au niveau du foie, bien sûr, quand c'est opérable. On va aller à la chimiothérapie après la chirurgie. Ça aussi, c'est faisable. C'est-à-dire que quand le chirurgien peut opérer, il opère. Parce qu'il y a des métastases, surtout au niveau du foie. Mais il est yivus, mais il est snet. Ça, c'est le chirurgien qui décide.
C'est lui qui verra est-ce qu'il peut faire ou il peut pas faire. Ok. Mais il fait l'ihlal plus que ça. Ça veut dire si on trouve plusieurs métastases, plusieurs localisations au niveau du foie, nous faites aussi beaucoup de localisations au niveau du péritoine, nous faites beaucoup au niveau du poumon, des los, etc. C'est-à-dire que vraiment la maladie elle est généralisée partout. À ce moment-là, on ne peut pas opérer. On n'opère pas. Oui. ما قلا نكوني نسنا ماشي نسنا نسلا بلي كل فوا سوجينير نغلا قارن حاشا كاسا اكزمرنا دخلف اشغر وزمير راه طبيب غادي يخدم تمزلت نغ لوبيراسيون غف تاسا ايوا كنا ديكس لا تيومور ني C'est ce qu'on fait. Sur le plan pratique, c'est ce qu'on fait. Effectivement, l'essentiel, c'est que le chirurgien me dit que l'essentiel est de gérer 30 à 40% du tissu hépatique. Attends, effectivement, le foie, il se régénère. C'est ça. Mais il m'a dit que ça complètement. Bien sûr, que ça régénère complètement. Il dit que les tumeurs nerfs. D'accord? Et cet essentiel, il dit au moins 30 à 40% du parenchyme, 30 à 40% des cellules nées du foie. Il a castige. Il gagne 30 à 40% de la castige. Le barin, délaisse les tumeurs quand il peut opérer, il opère. C'est des caisses. D'après l'opération, il y a effectivement la chirurgie. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le chirurgien peut opérer et comme il peut ne pas opérer? Ça dépend au niveau du foie. Peut-être un jour avec le cancer du foie, je touche un peu avec l'anatomie. Au niveau du foie, l'artésien, il est constitué de segments. Donc tout dépend, les segments, la localisation de la tumeur, tout dépend d'être là. Il y a des tumeurs qui sont opérables, c'est et le chirurgien, je connais des caisses. Les tumeurs, elles sont vraiment profondes, surtout quand elles sont à côté des vaisseaux. Côté des vaisseaux sanguins, quand les vaisseaux sont touchés, etc., les mêmes dîners chirurgiens, je ne peux pas opérer parce que c'est dangereux. Qu'il y a un risque hémorragique important, parce que voilà. Donc, c'est le chirurgien qui décide, c'est lui qui voit. Est-ce que la tumeur, elle est opérable, c'est-à-dire il peut opérer? Non, il ne peut pas opérer. Et quand vraiment il ne peut pas opérer, donc on n'a aucune chance avec la chirurgie, le patient est bien sûr s'il peut, mais il y a le patient, il y a d'autres maladies, etc. On a une seule arme devant nous, c'est quoi? C'est la chimiothérapie. Zmeres, bien sûr. اميك اكزمر يون اديلي يتداوي يسعى للتريتمون يبدا ومن بعد سيفك طبيب السيره ما سينياق لك تبدا في الحلوط مازال 10% مازال 0.00 شحال سنتيمتر باش نخدم لوبيراسيون ومن بعد ما يروح يعاود يخدم السكانر اديف بلي كي كان يزدينا الطبيب ديال الكذب يوغال دي كونسير ني دي سمانه نا دي 10 دقائق نوزر غرامك امي فيك زمر يون ادي روح ادي حلو من بعد الدين دين ادي يوغال كلش هذا شو السبب Oui, Guy, c'est ce qu'on appelle les récidives, c'est-à-dire quand on opère, enfin quand on traite un patient et ça a un cancer du côlon, bon, peut-être on l'a opéré, on a mis la chimiothérapie, on a mis la radiothérapie, mais faites le rectum, c'est juste entre parenthèses, ou lèche la radiothérapie des cancers du côlon. Hein. Ça n'existe pas, mais par contre, il existait des cancers du rectum. Le rectum, c'est la partie la plus basse. Par le chic qui file, le côlon, il est le rectum. Le rectum, c'est une suite, c'est de la suite, le côlon qui est attaché à l'anus. C'est la partie la plus basse. Et le rectum, c'est à 15 cm. Donc, mais en fait, il s'agit d'un cancer du rectum, on traite par la radiothérapie. Mais en fait, le côlon, la radiothérapie, c'est pas le traitement. Bon, alors la question, c'est les récidives, ce qu'on appelle les récidives. C'est-à-dire, donc, on a certains patients qu'on a traité avec chirurgie, ensuite avec chimiothérapie, etc. Ensuite, ils sont en surveillance.
ماشي سيرفيانس، ماشي سيرفيانس انا سيما، ماشي يحلى يقيم سكواس عامين يغال دالا، مازال تيتكمل تريتمون ينس لا شيميو، مازال ناس باسكو لا شيميو شغل تخدم بان سيكل من بعد تحبس من بعد ترنوض ويون بعد تحبس دوينا. دونك اون اسباس دو 6 موا هادي لي يحلى ومدان راه يخدم ان تريتمون دو 2 ans هكا يحلى. لا تخوازيام اني كيما تعوض السيرم بلي كدا ينا تاني حلا دين دين ديوغال اب ادي هي في بسي جنيا ام هي دي توغال وانشتا يتوغالد باسكو او فيت ل دكي اون فادير دكي يطارو ديال الشغاله كي ديال ستاد 4 فادير كون لا مالادي الي افونسي نعم un zone de traitement par la chimiothérapie. En fait, les traitements du cancer du côlon de l'espace 4, mais c'est de la chimio-conéglène. La chimio, c'est la thérapie ciblée. Et on fait l'association des deux. Au bed, on traite le patient, les traitements aiguilles. Le canne entre parenthèses, l'anotation, les protocoles, Folfox, Folfuric, etc. Les thérapies ciblées, il y a deux en général. C'est l'Avastin, le cétuximab. Alors, une fois qu'on a donné les traitements à gueule coulée, un petit donné, au bout de 2 mois, 3 mois, on fait un scanner, on peut trouver une bonne réponse. C'est-à-dire, on peut trouver que la tumeur néale a diminué de 50%, par exemple, n'a plus. Mais aussi, elle a une stabilité, c'est-à-dire, la tumeur elle est stable, mais la stabilité pour l'autre, c'est une bonne réponse. Ça veut dire qu'on a pu stabiliser la tumeur, les métastases de guerre, avec la chimiothérapie. Dans le troisième cas, on peut trouver ce qu'on appelle une progression. C'est-à-dire, malgré le patient avec la chimiothérapie, mais on trouve une progression. Après 2 mois, après 3 mois de traitement, on lui fait un scanner pour contrôler. Et bien, il y a d'autres localisations qui sont apparues. Voilà, les nouvelles bliques, finalement, le patient, il progresse. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le patient aigué, parce que tout simplement la tumeur, elle répond plus au traitement aigué qu'on lui fait. Elle répond plus. Pourquoi elle répond plus? Parce que M. Dner, toute la première séance, les séances, le cancer la première fois, mais même la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est très très intelligente. Pourquoi est très intelligente? Parce que nous connaissons qu'un traitement. On administre un traitement, on administre une chimiothérapie, une thérapie ciblée, voire même une immunothérapie. Pourquoi on fait tout ça? Nous connaissons le but, c'est de tuer la cellule cancéreuse. Mais la cellule cancéreuse, ça a des cascades, ça a, si je peux appeler ça, des mécanismes de défense. C'est-à-dire, mais l'efficacité qui est un traitement, la cellule cancéreuse, elle développe d'autres systèmes. D'autres systèmes à le noyau nénus, par d'autres voies, elle aura une cellule résistante. Elle sera résistante au traitement. Ça veut dire même connaître que la chimiothérapie est gisalabellique. Je vais juste intoxiquer le patient en la chimiothérapie, mais je sais que je n'aurai pas de bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Eh bien, il faut changer le traitement. Les effets secondaires de la chimiothérapie va la donner, c'est ça? Oui. Alors, en général, les protocoles, il y a le cancer du côlon, il y a le folfox, il y a le folfuri, il y a les comprimés, il y a la capicitabine, mais les patients qui sont juste sous chimiothérapie, en général, les effets secondaires, c'est quoi? C'est les nausées, vomissements, diarrhée, la fatigue. Voilà, parce que les patients gagnent sous la chimiothérapie. Il a aussi un effet secondaire important aussi, surtout sur les comprimés de l'odeur, c'est le syndrome même pied. C'est une peau très sèche au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du visage. D'accord. Je n'ai pas entendu. Tu as le nez zrem.
Oui, enfin oui, voilà, une peau qui est très désquamée, peau très sèche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on conseille toujours les malades de mettre des crèmes très très hydratantes tout le temps, au moins 3 à 4 fois par jour. Voilà. Les effets néronaux de خاطر الطاس جمدانا وفهمنا راه بلي كاموضين يسعن الكونسيغ كين الكولون ماشي هم لهلكات النظام ويزميرا راه دي سلا طاس الحس ويزميرا راه يهضر دمدن ويكينين زما تنيد نسدو دي لا فاتيك نا عكو معنا دمدن يقرفون رفون فو موضين ما يقلا يوغي غادي يهضر يدسن نا ما يناسن اجتيا قليعيا وفهمنا راه بلي لي زيفي سكوندير لا شيميو وعريض اكثر بوطانني Exactement. Il a le rachet fermen. Il a le fermen. Il y a un cancer qui est sous chimiothérapie. Il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser se reposer au maximum. Il a des soins quand même des conditions de vie. Enfin, il a des soins quand même le minimum. Il est sa chambre seule. Il dit, bon, il y va. Mais après, bien sûr, il faut respecter le régime. Il est riche et calme. S'il faut des suivis des séances de psychothérapie, ça serait bien. S'il faut des suivis des séances de sophrologie, d'acupuncture, ça serait très bien. Enfin, un chéguer, c'est normalement les malades. زمرضة درضة فوستق سياجي صغور ميغا بن براهيم تنين دمت زمرضة دي تفهم هذا اندي تسجن لي غونغليون ودا شوتن خطر يماس على حساب عينك كي فهمه دي لي كومونتير ايدوران ولاد نتا يسعى للكونسير الكولون Les ganglions, on ne sait rien que les ganglions. Et les ganglions, en kabyle, on appelle ça Wilson. Et Wilson, voilà, on a les ganglions au niveau du cou, des fingers, on a au niveau sous-axillaire, on a au niveau du médiastin, au niveau du ventre, au niveau inguinal, partout. Les ganglions, ils sont partout. Si j'ai bien compris, oui, il a un cancer du côlon avec des adhérents. Ça veut dire que les ganglions sont touchés, si j'ai bien compris. Ça veut dire que bon, si mais la ligne ça veut dire que la tumeur n'est pas opérable. Ça veut dire qu'ils ont pas pu opérer. Mais je pense pas que c'est les ganglions. Ils ont pas pu opérer. Peut-être parce qu'il y a une carcinose, non, parce que la tumeur elle est très voilà. Peut-être qu'il y a un blindage. Par contre, quand il y a un blindage à l'intérieur, le chirurgien il peut pas opérer. Quand il peut pas opérer, il ferme. عزيزة نعم عزيزة بنكليت نيم دماغ لنزمر أن ذاوي سيمغان ناغ لي بلانت ميديسينال اللي وكنا نحبس أفوريك C'est une bonne question, mais malheureusement, moi, je ne me connais pas trop des choses allergiques. Je ne suis pas phytothérapeute. Le seul conseil que je peux donner pour les patients qui sont sous chimiothérapie, c'est toujours ne mélangez pas les choses. On ne connaît pas. On a des choses allergiques, des plantes médicinales, etc. On a la chose à exactement. Qu'est-ce qu'ils mettent des légumes? Est-ce que réellement c'est naturel à 100% ou pas? Est-ce qu'il y a des réactions avec la chimiothérapie ou pas, franchement, moi, je dirais, il vaut mieux pas. هكا ثانمير اتاس خطر اكس خلاضن من بعد ادو غند تزلن دايمي اي سنقاري مدن ما يقلا تخدم من لا شيميو خدمت كان لا شيميو ني و سخلاط ثارا يونس قسين نظام ما يقلا يون داين و زميرارا ادي خدم تمزل تنين على لوبيراسيون لا شيميو اكسستيد طبيب ناس داين و كدر نوغارا لا شيميو خطر استزمير دارا هكا يرنا نوالا باللي ولاش الفايدة ديس ما قلا نستيدت لان سبيطارات أراد يعاود أدر نمذان ني ذا جديد أمزونو يالي كارا أسخد من ترانسبلانت بون مارو وزرغام كيس نقاس ستروميت لك تقبيلت يشغل أزدعي وذن أشغل مس فوالا أزدعي وذن يركو اللي عروريس نعوز عام كيس قارن السباين اللي قلن ذقو عرور أشقو لا 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 ل
ما إلا نزمر أد نحيو يود ناغ أتمسلك أكاقي. Jusqu'à ce jour, le cancer du côlon, Cholagui, n'existe pas. La greffe de moelle, elle existe des les tumeurs hématologiques, des leucémies, tout ça, oui. Il y a un grand espoir des Cholagui quand on fait des greffes de moelle osseuse, mais machi des cancers du côlon, non. Merci, je vous remercie. Et il y a des années de nous, il y a un peu de temps. او تلا داغني وث دي ثمورث دي الجاير وزري غارة ما قلا ستسكروكي امدانن نغتي دا تاياقي نكدي ونس شيكاغو يتي ملان يناد بلي كيسعى الكونسير دي كولون يروح الغورس دوات نوالات دي يوتيوب نوالات دي تلفزيون نوالات بارتو نروح نبويد دوينس زنوزو يدوا سيني مليون وقلا يونو ساشي بكنا تحلوط نعرضيت سانا با مارشي نكوني ولا شو دي لان شو دي دراني دنا فغير ازرق ما قلا امدان اكتداوينا كاكي سلعقا قر سلي زي بيس سيمغان لي بلونت ما قلا الداوين اطانا كيني ستيدت اد حلون مدن نا حشاوي دي سعان ستاج نا ستايد ان اي دو مزوارو دويسي. Encore une fois, je peux pas répondre à 100% de la réponse. Franchement, je fais pas trop confiance. Je fais pas trop confiance. Et puis, je sais pas. Est-ce que réellement, les études, est-ce que réellement les réponses, elles sont. YouTube, partout, l'internet, بلي كيبوين يقروح نرغو سراتي الدوبل فيدا جديد ذا منا يوين طموبيل رو ميكانيسيان معناه نكوني نعرضيت ولاش شو ايدي فغن ولا راه الفايده صخورس دايمي بغي غازراغ ما قلا لي بلونتيكي تعاون انت اموضين وبغي غازراغ كيل ستاج اي قلا يوين هادي يبدو لي بلونت ما قلا لي سختير كيمينك مسختيره يا لا شيميو لا كود لي بلونت ميديسينال ذا شادينير. Moi j'aurais dit la chimiothérapie, pourquoi pas la chimiothérapie, parce que Zarer d'achut taken comme étude positive, Zarer les effets secondaires, Zarer les réactions, voilà, je connais tout ça. Mais dans les plantes médicinales, en fait, il y a des essais à l'aveugle. Les produits, d'après, est-ce que réellement ce n'est pas un effet placebo? C'est-à-dire, est-ce que l'effet n'est pas plus psychologique qu'autre chose en Zarara? Je ne sais pas. Il faut vraiment quelqu'un qui est spécialisé de la phytothérapie, peut-être, pour répondre à cette question. Voilà. Franchement, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, nous connaissons, on déconseille toujours les gens de mélanger les choses. D'accord. Il y a une photo de l'huile de guerre. Est-ce le cancer du côlon? Oui. En général, le stade 4. Mais en fait, la maladie, c'est le host qui est touché le foie. Le foie, quand il est touché, le bilan hépatique, ils finissent par avoir des ce qu'on appelle des cytolyses hépatiques, les cholestases hépatiques. Quand les voies biliaires sont touchées, ce qu'on appelle des encéphalopathies hépatiques. C'est les complications qu'on peut voir des cancers du côlon. Mais quand le cancer est traité à un stade localisé, en général, on a une bonne survie à 5 ans. Mais en fait, il est au stade 1, au stade 2. Donc, c'est pour ça que Dora a l'intérêt de se faire dépister à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans avec l'hémoculte tous les 2 ans. D'accord. Merci. نكمل غفطة ناقي الدور في ديس الدون نا غاد ناظر في النظر يوقنا دهقيني مسكين نا اسقسين Oui, mais vraiment, Kemel, toujours dans le même sujet, d'accord. Bon, comme ça, on aura l'occasion de parler avec les polypes. Attends, c'est que ça, les gens, que ça a un polype, on a les adhérents, on a des choses. On a des choses à faire, comment les surveiller et tout ça. Et on va essayer de répondre aux questions. C'est ça, les questions, la prochaine fois. Alors, quand on parle des polypes, c'est qu'il y a une opération mars 2019.
سنيد سبعه فغير ازرق سنيد الدوخ شحالي مازال يوكنا دمتا جماتنا شعبان اتبع كاز تورا كان يدي شمي ند اسكو لا شيميوثيرابي ني با بريكونيزي بور لو ستاد 1 اي 2 لا شيرورجي سوفي زريغ تريد سيلي نافوس قصيكي معناه انت تريد يكشم مازدنفك تيريريتي وكنا نكفو تدويل. D'accord. Alors, dès le stade 1, on traite par chirurgie, il n'y a pas d'indication de chimiothérapie ou lèche. Dès le stade 2, on traite par une chirurgie. Ensuite, la chimiothérapie, on la discute. C'est-à-dire, la chimiothérapie stimule uniquement mais les facteurs de risque. Des choses, c'est les facteurs de risque. Mais c'est, par exemple, l'opération sur une occlusion intestinale. Normalement, fait, c'est un type histologique un peu particulier, mucineux. Normalement, fait, le chirurgien, par exemple, micro de curage ganglion arénus, ou des qui seront, enfin, de moins de 10, moins de 12. Enfin, on a des facteurs, nous connaissons là, nous parlons des facteurs de risque histologique, mais nous fait des facteurs à guérir. Est-ce que le malade n'est la chimiothérapie après la chirurgie, mais il n'a aucun facteur de risque à ce moment-là, est-ce opéré et on surveille. Par contre, à partir du stade 3, la chimiothérapie elle est obligatoire. وسنيني خير مريو كويد تيدي داردي تفعني وساقين سرام ستفايدين استدويل تاقي لكو دي ولي هن دكتور ناسي ماني تيدي حمد اراون دي فكنا سيهار الدور تيدي تدون دي تدويل تينس احزب يرى القضاء سياري مير حاضر تيمنون حاضر متدى دفسانون تزرم دا شارات تجم دا دفسيتنون إل من ديميان أزكا دي لهنا دنملي لكو فاريد أغدي مسلاي أولاد نتا غاف دوسا ذوينين ست يالاس دي ثو درتنا تنميرث اف اميد الدم يدنا ارثي مليلي تنميرث انا سيما ارثو فات ميرسي نوفر.